communément appelé grand marché, voici le décor qui vous accueille tous les jours ou presque, sauf les lundis et vendredis, jours seuls de ramassage d'ordures par les services de la mairie qui pourtant prélèvent au quotidien les taxes d'entretien du marché. 25 000 mètres foutus à place chaque année. Tous les jours, mettez foutu à balayage, mettez habillé à la mairie. Mettez place, mettez tévissé avec tout ça l'été. Maintenant, vous avez indiqué à feu. Vous avez filmé quand vous êtes dans la zone, vous avez filmé. Vous avez indiqué que vous avez filmé, vous avez place, mettez dans votre sac et place à ça l'été. Faites tout ma gueule sinon. Je donne cette directive moi-même. Comme ça, on ne dira pas que c'est le maire qui a fait, qui a dit. J'avais dit au maire de convoquer le maire de Brazzaville, celui de Pointe-Noire, c'est la même chose, de convoquer tous les commerçants qui ont établi leur commerce le long des grandes avenues que nous avons réhabilitées à grands frais, comme l'avenue de la Paix, par exemple, l'avenue de l'OUA, l'avenue des Trois Martyrs, j'en passe, l'avenue de France. J'avais demandé au maire de convoquer ces commerçants et de leur donner l'ordre, chacun, d'entretenir devant son établissement. Quitte à recruter un travailleur qu'ils paieraient, ça ne ruinerait pas leur commerce. Pour que devant chaque commerce, ce soit propre, tous les jours. Et que si un commerçant n'agissait pas ainsi, on fermait son commerce. Et ainsi de suite. Et puis après, on arrivera à quand même un peu plus d'ordre, un peu plus de volonté de réussir. Je le dis parce que quand on voyage, on regarde les autres peuples dans l'action, en train de changer le cadre de leur propre vie, on est choqué.